On partage au maximum, mais au max. On va discuter. Attends. Allez, là-bas, dit que je suis en live. J'avais complètement oublié celui-ci. Au maximum de partage. Il a oublié. Il a oublié. Il a oublié. Ouais, mais au maximum, ouais. Pas Lille. Allez là-bas, vous partagez son, vous les dites qu'on met en ligne. Mais vous risquez d'être bloqué, hein. On va décortiquer, décrypter ça. Non, ça ne nous fait pas plaisir de te voir. Dormez, mon frère, et qui? On partage, on partage, on partage. Maintenant, il y a des salades, combien de tu en ligne? Ouais, toi aussi. Cette chance de passer 365 en santé, en famille. Pour ne pas tuer les gens. C'est pas une heure de plus tard, boss. Très belle famille que Dieu nous a donnée. Très beaux enfants. Une belle femme, une bonne femme. Et que tout au long de l'année, on a sûrement fait des erreurs quelque part. Parce que nul n'est failli. Non, tu seras failli. Tu seras failli. Vous failli. À Quand nous Stassen. sommes dans une pièce sale, quelquefois on fait des erreurs. On fait des erreurs dans le parcours, il y a des erreurs partout. Il y a même des erreurs en entreprise, il y a des erreurs en famille, il y a des erreurs en amitié. Et je pense que quand l'année est finie et qu'on a cette chance de rentrer dans la nouvelle année, je crois qu'il faut faire des vœux, je crois qu'il faut prendre des décisions, je crois qu'il faut changer quelque chose. Parce que si on ne change pas quelque chose, dans la vie que nous tenons tous les jours, ça devient monotone. Et quand c'est monotone, ça devient lassant. Et quand c'est lassant, et bien tout le monde, ça n'intéresse plus Le personne. son n'est pas bien. Et comme nous sommes nés pour intéresser, comme Attends nous 2 secondes. sommes, nous avons pris le devant. Parce que justement, nous voulons faire plaisir à une catégorie de personnes qui nous comprend naturellement. Parce que ce n'est pas tout le monde qui nous comprend. La vie, elle est faite ainsi. On ne peut pas changer. La vie, elle est ainsi. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais je veux dire, ces personnes à être avec nous. Il faudrait bien qu'on le serve. On ne peut pas tout le temps être pareil. On ne peut pas tout le temps faire la même chose. C'est pour ça que quand on a fini là, on rentre bon à Dieu. Et puis on fait des vœux et on commence l'année sur ou alors avec. C'est des personnes qui ont compris ce que c'est que la vie. C'est des Bon, personnes qui ont compris que est-ce que le son est bon? la vie peut nous lâcher. Que la vie, notre vie, je vais dire sur Terre, elle est sur un bout de fil comme ça, suspendue. Il suffit juste de couper, on n'en a plus. Mais des fois, on prend des grands airs, à prendre des grandes décisions, à donner des ultimatums, à faire même des menaces. Et pourtant, on peut s'endormir et ne plus se réveiller. J'en profite pour envoyer mes condoléances à la famille d'Anaconda. Vous voyez, c'est des gens des réseaux sociaux, je ne le connais pas. C'est sûr que lui aussi m'a découvert dans les Le réseaux son ne sociaux. sort pas. En ce moment où nous, on parle, il y a une famille qui pleure, il y a des Nathalie, parents qui attends, je pleurent. vais regarder l'autre côté si le Et son sort. c'est comme ça la vie. C'est pour ça, quand Dieu vous a donné ce privilège de commencer une nouvelle année en paix, en famille, On avec ses partage, on amis, des partage, vrais on amis, partage, on partage. il On se faut le connecte, on préciser, partage. il faut changer quelque chose. Donc je vais demander pardon.
parce que j'ai heurté beaucoup de sensibilité. Je dois demander pardon, parce que le pardon fait partie de la vie. Des hommes qui ont compris la vie, quand je dis hommes, je veux dire personnes qui ont compris la vie. Le pardon fait partie de ces hommes-là qui ont compris que dans la vie, tout le monde est faillible. Et à un moment donné, il faudrait qu'on se mette face à un miroir, qu'on fasse une sorte de... Tu n'as pas à côté. Vous voyez, non? Qu'on revoie tout ce qu'on a fait et puis qu'on se dise que quelque part, on a fauté. Devant nous, on n'a pas que des ennemis. Même avec nos ennemis, on fait des erreurs. Parce que quelquefois, on a raison. Mais à force de vouloir avoir tellement raison, on perd sa raison. Parce que quelquefois, on utilise des mots, quelquefois, on utilise des façons, quelquefois, on utilise un langage. Et puis, ça fait qu'aux yeux des gens, on perd la raison. Non, on manque le volume. On manque le volume là-bas. Parce que c'est la nouvelle année et parce que je voudrais partir sur de bonnes bases. Je voudrais demander pardon à toutes ces personnes. Je voudrais d'abord dire, vous savez, je suis sur Facebook depuis 2009. Et depuis 2009, toutes ces personnes qui m'ont connu, depuis 2 ans, je n'ai pas arrêté dans la rue ces personnes qui me demandent, Jean-Louis, qu'est-ce qui t'est arrivé? Parce que moi, figurez-vous, je suis issu d'une bonne famille, où on a des bonnes manières, où on mange 4 fois par jour, même 5 fois, où on est très bien éduqué, très bien élevé, et où on a des parents qui ont pris le temps de nous mettre dans des bonnes écoles. Donc on a eu un encadrement vraiment bien, très bien. Et ça fait que les personnes qui vous ont vu... Parle bien, on laisse l'histoire de ta famille. Ils vous demandent qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, on ne t'a pas connu comme ça. On ne t'a pas connu aussi nerveux. On ne t'a pas connu aussi très dur envers certaines personnes. Tu es quelqu'un qui aime être avec les gens. Tu es quelqu'un qui est toujours bien entouré avec du monde. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Depuis 2 ans, ces personnes me posent des questions. Elles n'ont pas compris pourquoi. Non, ne mange pas 4 fois par jour, c'est bien, merci maman. À un moment de la vie, on se lâche parce qu'on est humain. Justement, comme elles ne m'ont jamais vu comme ça. Et c'est des personnes qui me respectent. C'est pour ça que je dois demander pardon. Parce que quand quelqu'un t'aime, quand quelqu'un te respecte, la personne qui t'aime... On est sur l'abbé Samet. Donc, tes histoires, on s'en fout. On est sur l'abbé Samet. La personne qui t'aime te demande d'arrêter. Elle ne t'encourage pas dans la vie. Parce que depuis 2 ans, je n'ai pas que fait de bonnes choses sur la toile. Tu n'as pas fait le malheur sur la toile. Tu te rends compte ça, ok. Après mon retour du Cameroun, je vous ai dit que j'ai rencontré des personnalités qui m'ont dit, Jean-Louis, on a besoin de toi. Aucune personne, moufle ça. Tu as rencontré quelle personnalité? Ils m'ont fait voir mes vidéos. J'avais honte. J'ai eu honte. Ah, voilà, assassiner l'autre, tu n'as pas eu honte. Ça ne te ressemble pas. On ne t'a pas connu comme ça. Et ce qu'on voudrait faire de toi, ça n'assimile pas avec cette image. Il faudrait que tu passes à autre chose. Il ne veut rien faire avec toi, rien. Tu es quelqu'un de très suivi. Tu es quelqu'un, quand tu donnes des conseils, on écoute. Tu as une femme qui impacte le monde. Qui donne des conseils dans les foyers. Il est la terre, on connaît, il est la terre. Qui impacte dans, c'est-à-dire, quand ces personnalités me parlent, elles me disent, votre femme impacte. Ah, laisse-nous ça, laisse ta femme là-dedans. Quand tu donnais l'argent là-bas, elle n'était pas là. C'est ton nom qui est sorti. J'ai plus fait de live. Je vais dire ce genre de live. Et pour ceux qui me suivent, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit, comment faire des grosses remarques qui m'ont fait honte. Parce que mon entourage, je ne l'ai pas écouté. Parce que je suis quelqu'un de très têtu. Vous savez, je suis très têtu. J'aime les gens. Tu es bête, tu n'es pas têtu, c'est pas pareil. Et quand j'ai envie de faire quelque chose, j'ai tellement horreur qu'on me l'empêche. Surtout que quand je n'ai pas la balle, ou alors la vie de quelqu'un, j'aime foncer. Et puis, ce qui arrive, je partage mes malheurs avec quelqu'un. Laisse ça. Je partage souvent les bonheurs avec les gens. Mais les malheurs, je les partage. Ah, et les assassinats. Ils sont très très peu quand il y a les malheurs qui sont autour de moi. Quand tu as envoyé l'argent au Maroc, quand tu as envoyé l'argent au Maroc, tu t'es avec qui? Les personnes qui sont toujours là, même comme elles n'ont jamais été d'accord avec moi sur certaines prises de position, mais elles ne m'ont jamais lâché, elles m'ont jamais dit écoute dans la main, elles m'ont toujours dit, un jour tu comprendras. Et je pense que cette année j'ai compris beaucoup de choses. Tu n'as rien compris. Quand on a des problèmes dans la vie,
aussi des enseignements. Parle-nous du 23, 23 décembre à 14h37, tu faisais quoi? Quand on tombe, il ne faut pas rester là, il faut se relever. Parce qu'en fait, dans une chute, c'est quand on se relève qui est plus important que la chute. Parce que quand on se relève comme il faut, on oublie la chute. C'est pour ça, en cette fin d'année, j'ai fait beaucoup de vœux. J'ai fait beaucoup de vœux. Hormis ce... L'assassinat. Ce discours, ou alors cet entretien que j'ai eu au Cameroun. Le Cameroun a besoin de moi. Le Cameroun n'a pas besoin de toi. Tu manques. Ils n'ont pas besoin de toi. Non, on n'a pas besoin de toi. Il fallait que je demande pardon. Non, tu n'as rien demandé. Demande pardon à qui? Ce n'est pas le claquement de doigts. Non, il faut demander pardon. Tu faisais quoi le 23 décembre 2023 à 14h37? Et il ne faudrait pas qu'on te le force. C'est un peu ce que j'ai vécu pendant 2 ans. Avec toutes ces personnes qui sont autour de moi. Elles m'ont harcelé. Vous ne savez pas les nuits que j'ai passées ici dans cette maison. Où ma femme était dans une chambre et moi j'étais dans une autre. Parce que j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Ouais, Alphonse, partagez. Je suis arrivé en retard. C'est pas grave, partagez. On le vivait tous les deux dans cette maison. Et je lui disais, écoute, tu te calmes, tu me laisses faire. Mais je veux vous dire une chose. Quand vous avez une femme qui vous aime, quand vous avez une femme... Les lunettes de Gluta Bosson, montre-nous les chaussures de Gluta aussi. Quand vous avez une femme qui vous aime... C'est la vérité, elle nous montre les chaussures de Gluta. Il est non, vous aussi. Quand vous avez une femme qui vous aime, parce que sans toutefois rentrer dans des jugements d'opinion ou de personnalité... Quelqu'un qui est incapable de faire un live avec les lunettes. Il y en a qui vivent avec des femmes sans qui lunettes. Pas, mais quand vous avez une femme qui vous aime et qui pense à votre futur... Et qui est là pour vous? Quel futur? Quel futur? Quand une femme vous parle, il faut écouter. Ah. Il faudrait que je vous le dise, je suis votre aîné, je suis l'aîné de plusieurs. Dans l'assassinat de l'abbé Samou Maroc, tu l'avais demandé. En connaissance de cause. J'ai beaucoup d'expérience dans la vie. Non, dis-nous. L'assassinat de l'abbé Samou Maroc, est-ce que tu avais demandé? Quand je vous dis, quand vous avez une bonne femme dans la maison, quand elle vous dit quelque chose, écoutez-la, je peux vous dire aujourd'hui, avec certitude et sans aucune contestation, que l'assassinat de l'abbé Samin, tout ce que ma femme m'a demandé de faire, de ne pas faire, et que j'ai fait, je l'avais raté. Bon, dis-nous, sur l'assassinat, elle t'a demandé ou elle ne t'a pas demandé? Elle m'a toujours demandé de ne pas faire l'assassinat. Quand je ne l'ai pas écouté, je n'ai jamais réussi. Ça a toujours été un poteau. Comme disent les confrères. Est-ce que le 23 décembre 2023 à 14h37, elle t'a demandé d'envoyer l'argent pour tuer la baisse à main ou pas? Je l'ai vécu, j'ai mis mon ego en avant. Et pourtant, ma femme sait que je l'adore. J'adore ma femme. J'ai toujours mis même ma femme devant mes enfants, je vous le dis tout le temps. C'est pour ça que tu la trompes. Ils sont nés ici. Ils sont chez eux. Rien ne peut leur arriver ici. Ils ont la couverture de ce pays. C'est des autochtones. Mais ma femme, quelle que soit sa pièce d'identité, elle restait une étrangère. Donc si quelque chose lui arrivait après moi et que je ne sois pas là, elle sera confrontée toute seule à ça. Et pourtant, les enfants demain grandiront. On n'est pas là pour ça. Ouais, que le gypsy. Tu nous as promis les voices en 2023. On attend les voices là jusqu'en 2027. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? La femme est bien, toute la famille est bien. Comme c'est une femme qui aime les enfants, alors, si je la mets devant, tu sais que les enfants n'auront jamais de problème. Mais ce côté, où je ne l'ai jamais écouté, quand elle m'a parlé, je lui ai dit, tu me laisses faire. Et elle était mal. Bon, l'assassinat de l'abbé Samou au Maroc. Ma famille était mal. Tu étais où le jour-là? Mes frères étaient mal, les sœurs. La famille très proche que vous connaissez, Pavlik, Cynthia, Flore et tout ce monde. Attends, laquelle Flore? Précise bien. Tout ce monde était mal, mais je faisais. Parce que pour moi, je suis celui qui doit défendre les intérêts de ma famille. Nous sommes des Bantous. Dans le vide en plus. Et dans la famille Bantou, c'est l'homme qui est devant. C'est l'homme qui prend les coups. C'est l'homme qui prend les coups. Alors, à un moment donné, j'ai défendu ma femme. Je me suis défendu. J'ai heurté certaines sensibilités. J'ai été très fort. J'ai été même... Ah, donc tu as été fort dans l'assassinat de l'abbé Samin. Mais, c'est pas... J'ai rien gagné. Tu bégayes quoi? Tu bégayes quoi? Parle. C'était pour défendre ma femme. Parce
Parce que ma femme, elle fait partie de ces femmes qui ne disent rien à personne. Adéwa, pitation. Qui ne s'intéresse à rien de personne. Et à un moment donné, je n'ai pas compris. Pourquoi est-ce que les gens en veulent à cette femme qui ne dit rien à personne? Il fallait que je sorte farouchement, nous sommes des bantous. En plus, tu étais où le 23 décembre 2023 à 14h37? Est-ce que le Western Union venait de toi? Première question. J'étais dans une clôture, mais je me suis confronté à toutes ces personnes qui sont... Ouais, donc j'ai grandi dans ça. Et donc ça fait que je suis sur Facebook depuis 2009. Et ce n'est que depuis 2 ans ou 3 ans que je parle. Mais les gens ne se sont jamais demandé pourquoi je ne parlais pas. Mais tu n'intéresses personne. Une question même comment? Tu n'intéresses personne. Simplement parce que moi, descend, je fais partie de ces personnes. Quand elles réagissent, eh bien, elles réagissent très fort. Ça fait très mal. Non, depuis on t'attend que tu sortes, tu ne sors pas. Tu n'as même pas honte. Allez appeler Nadège Mbappa. Sur cette toile. Allez te remettre avec Nadège Mbappa. Hé! Hey, ton Wonyu. Sur cette toile, je n'ai jamais pris ma caméra pour insulter qui que ce soit. Na Patricia Mel. Tout ce que vous avez vu, c'est de la réplique. Patricia Mel. Tu as insulté Patricia Mel. Parce que moi, quand je déchaîne, eh bien, je suis comme un tonnerre. On m'arrête. Maintenant, alors, depuis là, tu as fui. Tu as laissé ta page à Ombindo. On peut regretter après, mais c'est pour faire des dégâts. Et ça fait des dégâts. Pendant 2 ans, ça fait des dégâts autour de moi. Ça fait des dégâts à cette personne que j'ai répondu. Ça fait des dégâts autour de moi. Ça fait des dégâts dans ma famille, ça fait des dégâts même auprès de ma femme. Oh, le souverain, le souverain! Je lui ai demandé de me trouver. Le souverain, Raymond Tiendang. Que cette liberté-là, elle peut tout me défendre, mais ça, lui défendre sa cause à elle, ou la mienne. Voilà les gens. Le souverain, Raymond Tiendang, finit de faire le travail, vient prendre les éloges. Ngo, tu as aidé, ngo, ngo, ngo. Je vous dis, à chaque événement, j'ai appris beaucoup. Tu as appris quoi? J'ai appris sur moi. Tu as appris quoi sur toi? J'ai été sermonné au Cameroun. J'ai eu honte de ce que j'ai fait. Non. J'ai eu honte. Tu as fait quoi? Et j'ai dit que je ne le ferai plus jamais. Mais tu as fait quoi? J'ai dit que je ne le ferai plus jamais. J'ai demandé pardon à ma femme. D'avoir fait quoi? J'ai demandé pardon à ma famille. J'ai demandé pardon à mes proches. Non, tu ne m'as pas demandé pardon. Heureusement que mes proches, tu ne m'as pas demandé pardon, ne dis pas ça. Ils ne sont pas comme ces arrivistes qui ne connaissent pas l'issue, qui ne connaissent pas l'histoire, mais qui jugent juste quand tu as réagi. Ils ont tout vécu, ils ont vu des attaques, ils ont vu que je répliquais, mais ma réplique était plus farouche que les attaques. Laisse ça. Et on oubliait que c'était des attaques. Mais en fait, l'erreur que j'ai commise, c'est d'avoir répondu aux femmes. Ça, c'est ma plus grosse erreur. Ah non, tu es comme ça. Je le reconnais. Ah ouais, donc tu as changé de plan. Hé, Adéwa. Toutes ces femmes qui m'ont envoyé des attaques, qui ont envoyé des attaques à ma femme, avec le recul, je me demande pourquoi j'ai répondu. Parce que ma femme me disait, est-ce que ça me change quoi? Est-ce que ça change quoi en moi? Envoyez les corps au président, au souverain Raymond Tiendang. Parce qu'il y a actuellement le président dehors. Allez, que M. Raymond Tiendang, maintenant que c'est un souverain. Pas laisser. Parce que je me disais que de toute façon, on est à une ère où on est à une ère. Je disais, voilà, tac. Parce que comprends pourquoi ça passe, ça passe, ça vient, ça passe, ça vient. Ok, tac. Attends, là, maintenant, je mets le volume. C'est que quand une femme t'insulte, que tu l'insultes. Parce qu'une femme ne devrait pas insulter un homme dans notre tradition bantou. Mais si elle ose à ma femme que j'ai mise dans des conditions ou dans des situations très mal, parce qu'elle a été jugée, c'est pas grave quand on est jugé par des personnes qui ne vous connaissent pas. Moi, les jugements de méta, j'en ai rien à foutre. Les jugements me laissent de méta, me laissent à 37, ça ne change pas ma vie. Mais autour de moi, c'est ça qui est plus important. Et ma femme était mal par rapport à toutes ces personnes qui nous entourent. On est sur le cas de l'abbé Samet. On est sur le cas de l'abbé Samet. Je suis
Est-ce que oui ou non, tu as ordonné l'assassinat de l'abbé Samain le 23 décembre 2023 à 14h37? Quel ton pareil. Elle me disait non, ça ne sert à rien. Ça ne va pas changer notre vie. Ça ne va rien changer à nous. Donc, vous voyez que j'ai répliqué. C'était très fort. Ça fait des dégâts. Et ma femme a été très mal pendant 2 ou 3 ans. Donc, le pardon commence par ma femme. Ma femme que j'aime beaucoup. Je suis prêt pour elle. Je suis prêt pour elle, mais alors très prêt. Mais je lui demande pardon. De n'avoir pas écouté tout ce qu'elle m'a dit depuis 2 ans. De n'avoir pas écouté tous les conseils qu'elle me donnait par rapport aux insultes, par rapport à ça. Je demande pardon à ma famille, ma vraie famille. Ma vraie famille. Tu es seul. Que je n'ai pas écouté non plus. Je demande pardon à des amis très proches que vous connaissez sur la toile. Pavlik Patricia, Cynthia, Régine, Flor Chaps. C'est bien de préciser Flor Chaps, parce qu'on peut confondre. Qui m'ont toujours dit, Jean-Louis, tu n'as pas besoin. Et toutes ces personnes qui sont autour, je demande pardon à mes PTT. Aucun PTT n'était d'accord avec moi. Vous aurez remarqué, pour ceux qui les connaissent, Adjewa, ils n'ont pas fréquenté mes lives. Parce que justement, certains de mes lives, parce qu'ils n'ont jamais été d'accord avec moi. Je demande pardon à mes PTT. Je demande grandement pardon aux femmes gracieuses. Ces femmes qui n'ont jamais lâché ma femme. Qui ont toujours lâché ma femme. Quand tu demandes pardon comme ça à quelqu'un, c'est ce que tu leur dois l'argent. Quand tu commences à demander pardon comme ça, c'est que tu dois l'argent. Ma femme a sorti ceci. Si aujourd'hui elle est fière de ce qu'elle a fait, c'est grâce à ces femmes gracieuses, à ces mamans. Ces mamans qui lui ont toujours dit, faut dire à ton mari d'arrêter. Mais elles ne l'ont pas lâché. Elles ne l'ont jamais lâché. Elles ont su dissocier les choses. Parce que si c'était passé Mamoun, ma femme n'aurait pas fait ce qu'elle a fait aujourd'hui avec ceci. L'encouragement des Mamoun est énorme. L'encouragement des Mamoun est énorme. L'encouragement de tout ce monde, malgré mon comportement, Adjewa, ils n'ont pas lâché. Donc il était temps pour une nouvelle année de passer à autre chose. De savoir demander pardon. Et de promettre à toutes ces personnes que plus jamais je répondrai à qui que ce soit. À une femme. Parce qu'il y a des lois. Meta, au Facebook, c'est pas fait pour ça. On l'a transformé. Et puis on aime bien ce jeu. Non, tu l'as transformé. Certains persistent dans ça. Mais moi, j'ai dit, je ne suis plus dans ce jeu. Je ne suis plus dans ce retour. Je n'interdis à personne de m'insulter. Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais je vais dire, je vous ai concentré 2 années de ma vie. Je ne vous donnerai plus une seule minute de ma vie. J'ai beaucoup d'autres choses à faire qui sont très importantes dans ma vie. J'ai beaucoup d'autres choses à faire que de prendre la caméra pour répondre à des personnes qui ne comprennent même pas ce qu'elles font. Adjewa. Très souvent, quand tu rentres dans l'intimité, quand tu approfondis la recherche de cette Mais personne, remets la lunette. Personne qui ne savent même pas exactement. Remets les chaussures, tu remets les lunettes. Je voudrais promettre à ces personnes, comme je l'ai fait en privé, je voulais le faire ici devant vous. Et de leur dire que je demande grandement pardon de vous avoir offensé. Je demande grandement pardon de vous avoir fait passer des journées. On est sur le cas de l'abbé Samain. Mais malgré ça, vous ne m'avez pas rejeté. Vous m'avez toujours encadré. Vous avez remarqué que je suis toujours encadré de femmes. J'adore les femmes. Je les ai mises mal, certains. Mais j'adore les femmes. Parce que pour moi, la réussite d'un homme passe par la femme. Quand tu as une bonne femme, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Quand tu rencontres une bonne femme, tu vas à l'église maintenant. Le bonheur. Donc vous voyez que je suis toujours entouré des femmes parce que je sais qu'avec les femmes, on ne tape jamais pour tout comme on dit. Donc à toutes ces femmes-là, je vous demande grandement pardon. Et je sais que mon pardon sera accordé. Non, ça ne peut même pas être accordé. Jamais. Ok. Et je voudrais dire merci
à toutes ces personnes qui sont sorties de partout. Des personnes vraiment, c'est-à-dire des sorties, c'est inopiné, comment dirais-je, inattendu par rapport à ce que vous savez, des prises de position vraiment assez fortes. Je leur dis merci. On a eu des quiproquos à un moment donné. On ne s'est pas entendu sur certaines choses. On s'est même insulté. Mais malgré ça, vous êtes sortis pour dire stop. Franchement, je vous dis merci. Ça m'a tellement touché. J'ai regretté tout ce que j'ai fait. Comme tout le monde peut regretter dans la vie. Ah, Dieu, ouais. Tu as regretté quoi? Allez, ça, monsieur sale. Je fais des erreurs dans la vie. Donc vraiment, toutes ces réactions instantanées, je pense à Natacha de Monaco. Ah, Dieu, ouais. C'est ce qu'on a eu sur la toile. Non, tu étais jalouse d'elle. Tu voulais Nias Langalet à barrer. Ça m'a fait du bien, mais en même temps, j'avais honte. J'ai vu les femmes comme Nadège. Ah ouais. Ça m'a fait honte. Ouh. Ça m'a fait du bien. J'ai dit cette femme, surtout Nadège. Ah Dieu, ouais. J'ai été très loin avec elle. J'aurais jamais su qu'elle pourrait réagir comme ça. Et toutes ces autres que je ne connais pas. Si tu la connais, sorties, Patricia Mel. Comme ça, pour dire que non. Vraiment, je vous ai sûrement offensé, mais on est parti sur de nouvelles bases. Je vous ai dit dans un direct antérieur que je n'avais plus de limites, j'étais avec tout le monde. Tout ça ne servait à rien. Toutes ces guerres ne servaient à rien. Détester un tel ou un tel ne servait à rien. Non, ça servait. On ne se connaît pas, mais on se déteste. On a les voix. On ne se fréquente pas, mais on se déteste. Et pourtant, quelque part, on peut se retrouver. Je vais vous raconter une anecdote par rapport aux produits de ma femme. Ce matin, j'étais livré des produits de Black Star Beauty. J'ai quelqu'un qui est l'ami, une personne qui a fait une grosse commande. Elle m'a fait la morale, j'ai dit, mais c'est pas possible. Qui est l'ami de quelqu'un avec qui je ne m'entends pas du tout sur la toile. Tu ne t'entends pas avec tout le monde. Il m'a montré les messages avec cette personne, les photos. Il me dit, regarde ce que tu fais. Il faut plus faire ça. On t'aime, on aime ta femme. Reste dans le cadre des produits de ta femme. Conscientise-nous quand tu sais le faire. Utilise ton énergie pour d'autres choses. Regarde à terre de chez Tété. Il est à terre de chez Tété. Toutes ces personnes qui te suivent. Tu n'as pas encore maigri. Tu as maigri. Est-ce que tu as vu des grandes personnes t'attaquer? C'est des petites personnes qui t'attaquent. C'est des petites personnes qui attaquent ta femme. Pourquoi tu veux te mélanger à ces personnes? Personne n'a attaqué ta femme. Personne n'a attaqué ta femme. Pourquoi toi tu n'attaques personne? Tu es toujours dans la contre-attaque. Tu bégayes. Mais dis pourquoi tu n'attaques pas? Parce que tu sais que tu es grand. Parce que ces personnes, tu les négliges. Mais elles ne te négligent pas. Elles veulent être comme toi. Elles voudraient que tu parles d'elles. Et c'est pour ça qu'elles t'insultent. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut les ignorer. C'est comme ça que se comporte une grande personne. Une grande personne ignore. Maman, il fait tellement pitié qu'il ne faut pas avoir pitié. C'est là qu'il faut tordre son cou là. On voudrait que cette année 2024 qui commence, que tu aies d'autres objectifs. Et que tu te. Et c'est quelqu'un qui a fait une énorme commande. Vous vous rendez compte? Il m'a mourasé. Et pourtant, je préparais déjà ce discours. Donc, la famille, j'aimerais une fois de plus vous dire vraiment pardon. Adieu, ouais. Non. Est-ce que tu as assassiné? C'est ce que l'on veut savoir. Pas avec les assassins. Ça nous fait des ennemis et ça nous éloigne des personnes qui pourraient peut-être nous apporter quelque chose dans nos vies. Je voudrais être avec tout ce monde. Même si je ne peux pas être aimé par tout le monde. Mais ceux-là. Rassure-toi, les gens ne t'aiment pas aussi. Je serais ce que de dire le bonjour avec moi. Je suis prêt à dire bonjour avec elle. Non, ce n'est pas comme ça. Celles qui n'acceptent pas, on ne les force pas. De toute façon, dans la vie, il faut prendre le temps de bien faire les choses. Donc je voudrais vraiment, pour finir, vous inviter, vous tous qui êtes là, nous sommes, je crois que la majorité sont des Camerounais et même des Africains. Nous sommes en ce moment à la veille de la Coupe d'Afrique. Savez, je crois que nous devons donner plus d'énergie là.
Nous devons donner beaucoup plus d'énergie pour notre pays. Parce que c'est le continent. Parce qu'on a besoin de ça. Parce qu'ils ont besoin de nous. Là où ils sont, en Côte d'Ivoire, où ils sont partis pour défendre notre drapeau. Nous, on ne va pas défendre le drapeau ici sur Facebook, dans les classes, dans des insultes, dans des indifférences qui n'ont pas de nom, dans des enseignements inutiles. On a besoin, eux, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous là-bas. C'est lions et dentables. Donc, j'aimerais que les Camerounais mettent beaucoup plus d'énergie pour supporter les tout ça pour ne rien dire. Je ne pourrais pas finir ce live sans remercier ces personnes qui se sont distingués. Il va être traité. Tu ne vas pas m'échapper. De cette histoire, qui se passe que vous connaissez? Du Camer, quelqu'un avec qui je ne suis jamais entendu, quelqu'un qui a toujours fait. Il a été refoulé par Renko en passant. Mais qui est sorti comme ça pour défendre bec et ongles. Parce qu'il cherchait les vues. Beaucoup de force. Beaucoup trop de force. Je n'ai pas compris ça, mais j'ai apprécié. Petit frère, merci. Sans oublier celle-là. Elle aussi, on est allé très loin, la veuve joyeuse. Adieu, wa. La veuve joyeuse que vous connaissez. On est allé très loin. Mais elle est sortie de nulle part depuis l'apparition de ces produits. Quand elle a remarqué que ces produits ont changé. Voilà tes supporters, que les alcooliques les perdus. Ce qui s'est passé, je suis avec toi. Je suis avec toi. Et cette femme qui est avec moi, je vous rappelle, qui n'est pas l'égérie de Star Beauty. La seule égérie de Star Beauty, c'est la star descente. Il n'y a pas d'autre égérie. Quelquefois, je peux être l'égérie. Vous voyez bien comment je dis. Ah, qui l'a eu ton dis donc. Juste ça, qui fait le travail. Et cette femme qui se bat, qui se fait des ennemis, juste parce qu'elle apporte ce soutien. La veuve, merci. Du Camer, merci. Franchement, pour toutes ces mamans qui ont encouragé la star naissante, merci. Pour toutes ces personnes qui ont compris que moi, Jean-Louis Naissant, je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Tu es mauvais. J'adore les gens autour de moi. Tu es sadique. Je peux être furieux. Vous savez, c'est dans le sang bantou. Nous sommes les bantous. J'espère que certains comprendront que j'ai fait des choses parce que j'étais un bantou, parce que je défendais. Non. Tu as fait les choses parce que tu étais jaloux, hypocrite, orgueilleux. Parce que la toile, elle est sale. Quand on vient dans la toile, on s'attend à toutes les saletés. On ne défend aucun honneur. On ne vient pas ici pour l'honneur. Et tu fais quoi là? Je vais vous passer un message. Et que cette personne qui adopte votre message vous suive. Mais on ne vient pas pour rétablir son image. On ne rétablit aucune image sur la toile. On rétablit l'image auprès de ses amis. Voilà pourquoi je te dis que tu restes un mauvais. Si on veut avoir une image, ne prenons pas les devants. Quand on est un leader doit s'attendre à tout, à des attaques, à des insultes, à tout ce qu'il faut. Il y a des gens qui ne font pas des lives sur Facebook, mais qui se font insulter à longueur de journée. Donc ça ne veut rien dire. Et puis moi, je n'ai que 2 heures ou 3 heures par semaine pour vous. Non. Parce que toute la semaine, je suis très occupé. Tu fais quoi? C'est pas le fait de parler. Tu es occupé, tu fais quoi? Tout le monde ne peut pas vous aimer. Et que sur la toile, on ne vient pas pour blanchir son image, non. L'image est blanche auprès de sa famille, auprès de ses amis, auprès des proches. C'est le plus important. Le reste n'est pas du tout important. Qu'on te traite n'importe quoi sur la toile parce que tu as pris les devants. Et ça, c'est le salaire des leaders. Un leader doit prendre des coups à tout le monde. Et pour le reste, la famille, je ne vais pas être long parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Tu n'as rien à faire. Pour le reste, c'est Tohu Bohu que vous entendez sur la toile. Je n'ai pas grand chose à dire. Je veux juste vous dire que la toile, je fais partie de ceux-là qui ont toujours dit que la toile n'est pas un tribunal. La toile n'est pas un lieu de jugement. Il n'y a ni procureur, ni juge, ni avocat. Ah, quand tu venais juger les gens ici. On va là où il faut aller, avec des preuves, avec des arguments. Donc, il n'y a aucun jugement sur la toile. Tu n'as pas encore maigri. Tu vas maigrir plus que ça. Parce que la toile est faite de manipulation, de bêtises, de conneries, de beaucoup de mensonges. Et c'est pour ça que je vais vous dire, pour tout le tohu-bohu que vous entendez, pour ma part, nous allons juste nous retrouver au tribunal. C'est le tribunal qui va juger et non la toile. C'est pour ça que vous avez constaté que j'ai fermé ma bouche. Je n'ai rien à dire. Tu n'as rien à dire, assassin. J'ai des comptes à rendre.
se mettent au tribunal et j'ai les comptes à rendre. Sur ce, la famille, je vous souhaite encore une bonne année. Pour ceux-là qui ont perdu des frères et des sœurs, on refait le live. Allez, qui l'a sorcier? Tu as passé le temps à insulter le mari de la baronne. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit quoi? C'est une situation difficile. Perdre un être cher, c'est pas évident. Non, ce n'est pas, non. Ceux-là qui en ont perdu. Ma PTT qui a perdu sa maman. Bon, tante, mais tu n'es pas intéressant. Une des PTT qui a perdu sa maman avant-hier. Donc, toutes ces personnes, vraiment, je vous souhaite beaucoup de courage. Bon. Il n'était plus important. Donc, voilà. Vous avez vu que le gars, il est perdu. Il est perdu. Il est touché. Balata. Ça dit que vous avez vu quelqu'un. Là, vous venez de voir quelqu'un qui est sorti pour essayer de, on appelle ça comment en français? Il est sorti pour essayer de jauger. Il est sorti pour essayer de jauger le terrain. Pour voir est-ce qu'il peut venir kounia, kounia, kounia. Il est sorti pour sonder. Pour voir dans quelle mesure il va faire pour le Djoum. Il va te dire une chose. Continue à signer la pétition que j'épingle sur tous les directs. Vous venez de voir. Attends, je vais vous épingler la pétition. Je vais vous épingler la pétition. Attendez. Et là, vous épinglez la pétition, ne vous inquiétez pas. Voilà. Je vais vous épingler la pétition et comme ça. Voilà. Je vous épingle la pétition. Vous avez vu alors ce qu'on va appeler dans le jargon, il est touché. Il est touché. Il ne sait même plus quoi dire. Il est perdu. Il ne sait même pas comment faire pour revenir. Là où il est là, son cerveau ne fait que jeter l'air. Son cerveau ne fait que faire pouf, 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 pouf. Il ne fait que jeter l'air. Là où il est là, c'est la magie. Le lien que vous voyez épinglé là, pour aller signer la pétition. Le lien que vous voyez là, c'est le lien. Il nous faut 10 000 signatures. Il nous faut 10 000 signatures. Il n'a pas encore maigri. Il va maigrir plus que ça. La chute ne fait que commencer. J'ai dit, quand tu vas monter pour demander véritablement pardon, ça sera un jugement rampant. Go, mais Mamoun, go, PTT. Les PTT existent. Les PTT existent. Attendez, ferme la porte. Comolette comment? Tu n'as pas encore fini de manger. Mais je vais prendre un peu, non, tu peux pas me non, je ne te donne peu. Pas. Non, je ne te donne pas. Non, je ne mange pas, moi. Non, c'est pour moi. Je ne te donne pas. Comme que manger seulement comme ça, là, dis donc. Là, tu chopes seulement comme ça, comme un homme, mon frère, c'est même comment. Et tu omolette que ma frère va encore chopper. Ok. Tu
Tu n'as pas encore fui. Comme on dit souvent dans notre jargon. Tu n'as pas encore fui. J'ai dit que tu n'as pas encore fui. Ta part là sera un autre niveau. Un autre niveau. Les réseaux sociaux là, tu ne peux pas imaginer. Signez massivement la pétition. Je dis, signez massivement la pétition. Au maximum. Nous sommes dans une diaspora où nous n'allons pas laisser un monsieur organiser l'assassinat, le kidnapping, le meurtre d'un autre collègue de la diaspora. Parce que quand on est dans la diaspora, la pétition est épinglée en bas. Signez cette pétition. Martinez aurait mort parce qu'on cherchait ses téléphones. Martinez aurait mort parce qu'on cherchait les qui lui donnaient ses renseignements. Grand frère, on voulait que tu nous dises où étais-tu le 23 décembre. Attends, matricule 4, je vous ai dit, c'est parce que je me suis réveillé un peu tard. J'étais en train de dormir, j'ai oublié même qu'il avait le live. Mais, on avait des questions à se poser. Tu as dit qu'on va se retrouver devant les tribunaux. Signez vite la pétition. Tu seras devant les tribunaux, ne t'inquiète même pas pour ça. On est en Bénin, on n'est pas au Cameroun. On est en Bénin, on n'est pas au Cameroun. La question qu'on voulait, on demandait au grand frère, où étais-tu le 23 décembre 2023 à 14h37? Tu étais où? Quand tu dis que je demande pardon à ma soeur Mbappa, tu oublies ce que tu disais. Indine Noumassai, avec ses frères qui sont lolo, avec le kourou qu'elle a. Tu peux écouter? Je demande pardon à ma famille proche. On n'est pas là pour que tu demandes pardon à ta famille proche. On est là pour que tu présentes, tu demandes pardon à Patricia Mel. Aujourd'hui, Natacha de Monaco ne vend plus le piment. Aujourd'hui, Natacha de Monaco ne vend plus le piment. Subitement, Natacha de Monaco est devenue quelqu'un de... Un grand frère. Quand je t'ai observé, j'ai vu un homme abattu, en perte de confiance. Tu n'es que l'ombre de toi-même. C'est la première semaine. Tu n'es que l'ombre de toi-même. Laisse mes yeux. Laisse mes yeux là où c'est là. Toute la journée dans la cuisine, c'est pour préparer quoi comme ça là? Hey! 2-3 heures pour préparer. Je suis pas en train de préparer. Tu m'as. Je m'énerve pas, tu comprends. 3 heures pour préparer. Je m'énerve pas. Les hommes qui mangent dehors, là, je commence à comprendre leurs problèmes maintenant. Bon, fini, alors tu pars. Je mange dehors aussi, on voit. Tu n'as pas changé, tu as des yeux concentrés. C'est quoi ça? Tu m'as envoyé ça du pays, ce sont mes ancêtres, c'est dans ma voiture. Pas. Seigneur, mais ça c'est quoi? Tu me gardes le live. On m'a habité chez Yungo, c'est un problème. C'est quoi? Ferme la porte. Ferme la porte. Je continue. J'ai trop bien été trompé. C'est une question de. Devant, c'est trop obligé. Je dis ceci.
L'affaire de l'abbé Samé sera réglée devant les tribunaux. Écoute bien ce que va te dire, grand frère. Donner les 10 000 signatures. Les 10 000 signatures. Et il sera tout simplement éradiqué des réseaux sociaux. Il sera complètement éradiqué des réseaux sociaux. Simplement. J'ai vu son visage. Meurtri. Pété de confiance. Tout un discours. Oh ma femme, oh ma femme, oh ma femme, oh ma femme. Quand tu insultais Patricia Mel, tu ne savais pas que tu avais une femme? Quand tu insultais la CSG de Monaco, tu ne savais pas que tu avais une femme? Subitement, la queue entre les jambes, tu te rappelles que tu avais une femme. C'est quel genre d'hypocrisie? Mais c'est incroyable. En 2024, un homme qui n'assume pas la question que je t'ai posée, la question que tout le monde te posait, où étais-tu le 23 décembre 2023 à 14h37? Je faisais un Western Union pour le Maroc pour qu'on puisse kidnapper, abattre, séquestrer la baie sa mère. Nom de code 1995, 91, 85. 100 euros pour abattre un Camerounais de la diaspora. J'ai vu que tout à l'heure, comment tu disais que des personnalités au pays. Qui te connaît au pays? Qui te connaît au pays? Qui te connaît au pays? Vous aimez seulement entendre. Raymond Tchengang qui a tout fait. Dans mon affaire contre Amout, tu sors derrière, derrière, dis que il faut aussi que tu prononces mon nom. Que tu as fait quoi? Mais tu es la première personne à demander le lynchage de la mère Kamel dans les réseaux sociaux. Un homme qui n'a pas de couilles. Là, on a maigri. Toujours en train de porter les lunettes parce que tu fuis le regard des gens. Il est toujours en lunettes parce qu'il a peur du regard. Il a peur du croiser le regard de la vérité. Nous, les hommes, les vrais, on regarde les gens droit dans les yeux. Et on leur dit ce qu'on pense. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu caches. Hein? Quand tu as appelé Fadiga de venir dire que l'abbé Samé que de venir dire que l'abbé Samé a parlé de la baronne de Suisse. C'était pas sur ton mur? Ce n'était pas sur ton mur? Aujourd'hui, tu te lèves. Oh, je demande pardon à mes mamounes. Je demande pardon. Toujours là, les histoires de femmes. On t'a demandé quoi? On t'a demandé quoi? On va te porter plainte. Ne t'inquiète même pas pour ça. Et je serai à la manœuvre. Je serai à la manœuvre. Go, je vais présenter mes excuses. C'est ce que tu fais souvent. Tu fais semblant de demander aux gens les excuses en public. Par derrière, tu les poignardes dans le dos. Aujourd'hui, tu as connu tout le monde. Tu que tu as les réseaux sociaux depuis 2009. Je vais faire une petite vérification. Je vais faire une petite vérification. Voir les informations. Je vais faire une petite vérification. Je suis sur Facebook depuis 2008. Ça ne souffre de entrer sur mon compte, vous allez voir tout simplement. Entrez sur mon compte Amer Kamer. Vous allez voir tout simplement.
Quand tu dis que tu es dans le, tu as fait un temps, tu as dit que tu es dans les réseaux sociaux depuis 2009, depuis 2009. On s'en fout. Ce qu'on veut savoir, c'est où étais-tu le 23 décembre à 14h37? C'est ce qu'on veut savoir. On ne t'a pas demandé si X ou Y. On n'a pas encore accéléré. On n'a même pas encore commencé. Demande à Ducambindo. Tes produits. Tu vas manger ça toi-même. Tu vas manger ça toi-même. L'erreur que tu as commise, c'est que tu es venu sur la toile avec le slogan de Monsieur Propre. Tu es venu sur la toile avec le slogan de Monsieur Propre. Aujourd'hui, c'est devenu Monsieur l'Assassin. Monsieur l'assassin, Monsieur le traître. Évite de prononcer le nom de ta femme quand tu fais tes bêtises. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Monsieur Propre, on parle d'assassin. Évite de parler du nom de ta femme, tout simplement pourquoi. Je vais te dire pourquoi tu dois éviter. Parce que si tu colles ton nom au produit de ta femme, ton commerce tombe dans l'eau. Je te donne un petit conseil. Évite d'associer ton nom au nom de ta femme. Commence à dissocier les deux. Ne parle plus des produits de ta femme. Parce que Monsieur Propre égale Monsieur Assassin. Monsieur Propre égale Monsieur Commanditeur de Meurtre. Monsieur Propre veut dire par manipulation. Ton nom est dead. Ton nom n'incarne plus rien. Ton nom ne représente plus rien. Commanditer l'assassinat, le kidnapping, le lynchage de tes frères. Voilà où ton nom est collé. Tu n'as pas fait ça loin. Tu as fait ça dans ta, au sein de ta véritable communauté. Tu n'as pas fait ça loin. Tu as demandé la liquidation de ton propre frère dans les réseaux sociaux. Le lynchage d'Amer Kamer, c'est toujours toi. Qu'est-ce qui te fait fuir aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait fuir aujourd'hui? C'est cette vérité-là que tu n'arrives pas à assumer. Évite de coller ton nom à celui de ta femme. Parce que si tu colles ton nom à celui de ta femme, les pertes seront très, très graves. Aujourd'hui, on ne te fait plus confiance. On ne te fait plus confiance. Même quand tu es en live, tout le monde écrit AliExpress. Tout le monde écrit AliExpress quand tu es en live. Est-ce que tu vois ce que ça veut dire? Quand les gens écrivent AliExpress, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Non, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Commence à te désolidariser. Commence d'abord par te désolidariser de cette marque. Parce que maintenant, je peux te garantir que tu ne seras plus invité dans aucune soirée ici en France. Peut-être dans d'autres jours, on va t'inviter. Parce que partout, on va te voir, on va sortir les sifflets. On va sortir les sifflets. Arrête de parler des produits de ta femme. Laisse-la parler de ses produits. Laisse ta femme parler de ses produits. Enlève ton nom dedans. Parce que tu représentes tout ce qui n'évolue pas. Tu représentes tout ce qui n'évolue pas. On va coller ton nom avec synonyme d'échec. On va coller ton nom avec un synonyme d'échec. Qu'est-ce que tu as fait qui a réussi dans ta vie? Rien. Tu as des maisons en Afrique? Non. Tu vois ce que je veux dire? L'humilité précède la gloire. Répète après moi. L'humilité précède la gloire. La dernière fois quand je te disais qu'un homme ne s'attaque pas aux femmes, ça commence à entrer dans ta tête.
Je te disais, si un homme ne s'attaque pas aux femmes, ça commence. Brice Atemba bloqué. Nous allons signer cette pétition et nous allons atteindre les 10 000 signatures. Les 10 000 signatures. Là, nous sommes 1 000. Si dans les 1 000, là, chacun va signer à l'intérieur, on aurait déjà fait 1 000 personnes. Donc, et quand nous posons des actes, allons jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout. Jusqu'à preuve du contraire, nous avons 67 signatures. Voilà ça. Faut pas que vous disiez quand même. Jusqu'à preuve de qu'attendez, je vais tourner la caméra. Il nous faut 10 000 signatures. Donc, ce qui est épinglé là, vous entrez dans la signature, vous entrez dans la. Je vais vous montrer comment ça se passe. Là, je vais vous montrer parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas comment ça se passe. Attends, je vais ressortir. Là, je suis dans le live. Je viens, j'épingle, je clique en bas là. Tac. Et quand je vais cliquer, ça m'oriente. Quand je clique, ça m'oriente directement vers la pétition. Et je mets signer, je remplis le mail et après je signe. Simple comme bonjour. Donc, le but, ce n'est pas seulement de parler dans les réseaux sociaux, c'est d'accompagner cette pétition jusqu'au bout. C'est d'accompagner cette pétition jusqu'au bout. Nous n'allons pas tolérer que dans une diaspora, nous laissons un monsieur payer pour l'assassinat d'un Camerounais. Si vous avez laissé ça, c'est votre problème. Voilà pourquoi je vous demande de signer cette pétition. Beaucoup de gens sont allés dire que non, il n'a pas assassiné. Il a demandé qu'on récupère les portables. Si en partant récupérer le portable, il mourrait. On allait dire quoi? Mais il faut qu'on soit clair, cohérent. Et qu'on oriente les affaires là où les affaires doivent aller. Il y a une pétition qui a été mise en ligne. Signez massivement cette pétition. Une fois qu'on a les 10 000 signatures, on avance. On avance. Vous entrez dans le live. Vous cliquez sur le lien. On refait ensemble. Je vous montre ça une dernière fois. Je retourne la caméra. Là, je suis dans mon live. Je clique là. Je suis déjà dans la pétition. Je mets signer cette pétition. Je remplis juste les 3 cases et c'est bon. Je vais refaire une vidéo là pour expliquer comment nous allons la mettre, comment nous allons mettre ça en place. Je vais faire une vidéo explicative tout à l'heure après le live. Mais, je vous ai dit, chaque fois aujourd'hui, je me suis, parce que j'étais en train, j'avais oublié carrément qu'il devait lancer le live. Il a changé les horaires. Mais je vous ai dit, chaque fois que le grand frère là sera en live, je me mettrai en live avant. Parce qu'il ne dit rien de bon, il n'a rien dit de bon. Et nous allons aller jusqu'au bout. Signer massivement cette pétition. Nous ne sommes que 67 personnes à avoir signé. Ça veut dire qu'il nous faut encore 9950 personnes. Faisons le job. Faisons notre job. Tout à l'heure,
je serai connecté à 22 heures pour le 100% Bassa. Merci.